Isabelle ? D'habitude, il y avait toujours une engueulade au moment du départ. Mais cette année-là, rien. Ça devait donc très bien aller entre papa et maman. Bon, ça suffit là. Qu'est-ce qu'on fout ici ? Jean-Claude, la Bretagne quand même. C'est maman qui avait choisi d'aller passer les vacances en Bretagne. Ah, y a bien que vous pour un machin pareil. Maman, si juste de temps en temps, tu pouvais au moins faire semblant d'être heureuse. Pourquoi ça s'appelle le rocher Abraham ? À mon avis, avant ici, il devait y avoir un gros rocher. Moi, je suis content d'aller chez les Ploucs. Les Ploucs ? Où t'as appris ce mot-là, toi ? C'est papa qui les appelle comme ça. Mon père, juif d'Algérie française, avait épousé une Bretonne catholique pure souche. Bonjour. Qu'est-ce qu'ils veulent boire ? Rien, c'est gentil, on est juste venu pour acheter... Ça m'aurait étonné. C'est qui vont les voir ? Excusez-nous, monsieur, on est français, on parle pas le breton. On les voit, on sait qu'il me dit. Pendant que certains rajeunissaient... Salut. T'as pas changé. Je m'appelle Marie-France, Simon. D'autres jouaient à être plus vieux. Petit, gros et qui bave tout le temps. Oula, quand on rentre comme ça, c'est qu'il va te demander quelque chose. Oui, bah, tu vois, s'il pouvait me demander la main de ma belle-mère, ça m'arrangerait bien. C'est ce qu'il va te demander. Oui, bien sûr. Voilà, vas-y, bon. Allez, ok. D'accord. J'ai l'honneur de vous demander la main de votre belle-mère. La main de... Il flottait en cet été 76 un vent de douce folie, un parfum d'interdit que chacun respirait avec délice. Là, ça sont les vacances. C'est plus comment finissait la chanson. J'ignorais qu'elle avait un nom. Je le sens bien le truc, là. C'est la chanson du bonheur d'un vieillard. Mon enfance est liée à ce rocher, à ces immortels qui peuplent mes souvenirs.